Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wolfenstein sur PS4. Alors nous sommes au chapitre 11, sous-marin allemand. Voilà, on va juste... allons commencer, c'est parti. Alors là, on va sortir de la torpille. Hein. Alors, signal détecté. Oula, il y a du monde là. On va prendre... Voilà. On va mettre le silencieux, hein, ça sera mieux. Il y en a un en haut à droite. Et alors? On va essayer de l'avoir lui, mais bon, c'est tendu, non? Ah, l'officier il traîne en face là, sur le pont supérieur. Il y en a un là, encore un en haut, et l'officier en face. Il a failli me griller cette enflure. Il y en a un au-dessus de moi. Essayer d'avoir l'officier pour éviter qu'il donne l'alarme. Il est juste au-dessus. Oh, il passe trop vite. On va attendre, dès qu'il se pointe là, on le tue. Ah ben voilà. Mais oui, c'est ça, allez. Voilà. Il est mort. On n'a pas trouvé la map. Faut trouver la map. Bon, elle est pas dans le coin. Bon, pour les personnes qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, nous sommes dans un sous-marin. Un sous-marin ultra moderne, on dirait bien. J'ai oublié un bout d'armure. Je les ai bien niqués là. Bon allez, go, tant pis. Sûrement plus loin là, la map. Ah bah elle est là, on dirait, sur le mur. Bingo. Hop là, c'est bon. On a déverrouillé la map. Ici nous avons de la vie, c'est bon. Nous avons 140 le maximum. Allez, dans tes dents. C'est bon. On a failli déclencher l'alarme.
Oula. Ah, j'ai fait un carnage. Ah, c'est crade, il a perdu sa tête. Ah, c'est bien gore. C'est bon ça. Alors, ah, il y a un truc à ramasser dans le coin là. Pas ça, bah non, c'est pas ça. Y'a rien en dessous des couchettes non plus. Ah non, c'est l'autre côté, ou bien on dirait. Non, c'est pas là. Ah si, si. Fragment code. Ensuite, c'est plus loin. Ah, une cervelle sur le mur. Encore un fragment de code. C'est nickel, un couteau. De la vie, bah je suis à fond. Allez hop, un plateau en or. Bon bah c'est bon, maintenant faut que j'aille de l'autre côté. Des munitions et de l'armure. Bah, de côté, j'ai oublié, on dirait. Alors, rien dit que par là, mais par là, je peux pas y aller, c'est verrouillé. Ah, d'accord. Fragment de code, munitions, non, et bah ici on dirait qu'on peut, on va prendre ça, non. Intéressant tout ça, la blinde de munitions. Voilà, c'est fait. Armure. Bah, vie, c'est pas la peine. Couteau, munitions encore. C'est bon. Non. Amélioration encore. Bon, bah, c'est. C'est good tout ça. C'est bon. On va recharger. Voilà, on va essayer de se remettre en mode discrétion. Non, je suis là. Voilà, avec le silencieux. Voilà, on a tout des. Ah non, il reste un truc. Alors, il se trouve où? Ni quelque part ici. Non, de l'autre côté alors. Non, pas là. Verrouillé. C'est indiqué. C'est ici dans le coin. Ah, ok. C'était sur la table. Le coupe-papier, j'ai pas fait attention. On peut y aller, hein, là. On peut pas aller de l'autre côté. Non, c'est bon. Attention, je m'adresse à l'un de ceux qui est à bord. Ici, le capitaine. Ah, bah, ils m'ont crié que j'étais à l'intérieur. Rendez-vous immédiatement
et vous serez traité équitablement selon les lois maritimes. En fait, ben non, j'ai pas confiance. Ah, moi je dis, ça sent le fight, hein. Il y a armure, tout. Ça va piquer. Ah bah, ah, ils sont chauds, hein. Pourtant j'ai vidé pas mal de munitions avec le fusil à pompe, bizarre. Essayer de les shooter avec ça. Allez hop, ça c'est fait. En fait, faut aller à la mode bourrin, quoi. Super efficace comme arme. Munitions atteint. Bon, j'ai tout fouillé, hein. Ah, armure. Un peu de vie serait sympa aussi. Bon, y a rien non plus ici. Bah, faut y aller, faut monter, on dirait bien. Ah bah, y a la vue devant moi là. Nous avons rien vu. Voir des munitions qui traînaient quelque part. Ah non, c'est peut-être une lame ou bien. Voilà. Une lame, une dague, je veux dire, pardon. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Il n'y a pas qui traîne ou quoi là que je pourrais déglinguer, non. Ah, on arrive là, ok. Oh, il y en a qui est passé là.
ça s'est fait, hein. Ok, on va découper. Ok, on peut passer par là ou... Bon bah non, en fait que par là. Allez, sors ta cachette. Oula, il y en a encore. Ah mince, j'aurais dû recharger mon arme avec le courant là. Ah, je recommence tout, je suppose, bah, comme par hasard quoi. Allez. Caché ici, hein. Allez, courage, bientôt. Alors on va prendre comme arme, on va prendre ça.
sont où? Ils sont en face. Voilà, je fais. Si mes copains sont sur les ondes, on va ramasser des munitions. Alors, il y a des trésors à trouver, mais de l'autre côté. Non, c'est bon. On va jeter un coup d'œil en haut, tiens. Nickel. La vie, c'est bon. Ah, un fragment de code. Là, c'est nickel. La vie. Mission full. Ah, fusil à pompe. C'est cool. Oh là, il y a encore un point d'interrogation de l'autre côté. Bon, elle va remonter la vie. Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Il n'y a pas une grenade ou quoi là, non? Là, je me disais aussi. Ça sert pas à grand chose hein, vu que j'étais fou là. Alors le trésor se trouve là-bas. Le trésor, le fragment. Voilà, bon, on a tout trouvé dans le sous-marin hein. Bon, c'est parti. Corps de la vie, à mon avis, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va se faire attaquer encore. Il y a trop de vie là. Ça me paraît louche tout ça. Pareil, armure, tout, c'est louche. Sous-marin pour madame. Emballé, c'est posé. Garde le canal ouvert, Blazkowicz. On n'est pas loin. Je suis ton signal. Tu sais ce qu'on a là, Blazkowicz? C'est le marteau des bas, l'ultime joyau de la flotte sous-marine nazie. Il y a un canon nucléaire à bord. Correction, notre canon nucléaire. C'est pas les tripes qui lui manquaient au capitaine de ce foutu sous-marin, ça faut bien l'avouer. Il a emporté les clés de décryptage du canon nucléaire dans sa tombe. Il marchera pas? Pas les ogives nucléaires, en tout cas. Et moi qui crevais d'envie de fourrer une grosse bombe atomique dans le gosier du boucher... Bien, on n'a plus qu'à trouver ses clés. On peut pas trouver de clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur. Bien évidemment, il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Ça veut dire quoi? Ah, Caroline et Anya travaillent dessus au QG. On va devoir aller sur la Lune, on dirait bien. C'est bien foutu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz quoi dans les commentaires, mais moi je trouve ça bien foutu.
comme par hasard. Ouais, les textures elles font peur là quand même, y a... Ouais. J'attends ce moment depuis si longtemps. Nous étions nombreux à vouloir égaliser la donne pendant la guerre. Mais tout est arrivé si vite. Et nous avons perdu nos gardiens les uns après les autres. Morts, exilés ou disparus sans laisser de traces. Mais certains ont réussi. Nous avions commencé à transmettre notre savoir au gouvernement luttant contre les nazis. Nous étions confiants jusqu'à ce que l'ennemi lâche les bombes atomiques. Tous nos espoirs sont partis en fumée. Je me souviens du galère à marcher dans l'eau. Se rassembler dans des endroits comme celui-ci, plein de vie et de merveilles, pour percer les secrets de la nature. C'est quoi, c'est sympa. Nous pourrions bien être les derniers à venir ici. Ah, nous y voilà. Mais la texture là, lui, est pas terrible hein, par rapport à là. Allez-y, entrez. C'est un sas de décompression vers la grande salle. Attendez, comment ça, attention? Allez savoir, ces instructions datent un peu. Allons-y. On passe par là pour aller à la grande salle. Mais je ne reconnais pas ces symboles. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Blazkowicz! Ça va être à toi, Blazkowicz. Je te coupe, d'accord? Oh, sympa, hein. C'est bien foutu. C'est un endroit très c'est vachement beau. Puissant. Pour la recherche magnétique, c'est... En tout cas, super rapide à enlever la scaphandre. Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Là-haut, c'est la chambre secrète. Mais d'abord, nous devons activer les champs magnétiques pour créer une entrée. Cette machine-là, elle sert à contrôler les champs magnétiques. Oui. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! C'est bon. Oui, monsieur Blazkowicz, montrez-moi votre arme laser, s'il vous plaît. Là, ce prisme de la Dacirod permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà, vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez? Tout là-haut. Je vais essayer de réparer cette machine. Alors, abaissez la plateforme. C'est un endroit très vieux, parmi tant d'autres. La Darcy-Rod a bâti de toute façon comme tout le monde invente la machine. Quand le but est clair, quand des gens se rassemblent pour un même coup, tout est mieux possible. Vous comprenez? Hein? Ah, ok, carrément, il faut se dépêcher, quoi. Ouf,
enfin. Il y a deux secondes de traité, maintenant. Pas trop fort. Et maintenant, on monte. Allons-y, Shimshot. Oh, sympa. Pas mal, pas mal. Hey, Yengele, dis-moi si Across n'est pas un génie. Messieurs, nous y sommes. Allez-y, jetez un œil. Prenez tout ce qui pourra vous servir. Hop, on va trouver un trésor. Il y en a des trésors, hein, dis donc. Aujourd'hui, j'ai posé un hélicoptère sur la plateforme d'un sous-marin nucléaire nazi. Après ça, plus rien d'être à prendre et j'ai nagé jusque dans une faille au beau milieu de l'océan Atlantique. Enfin, je ne veux pas ces détails. Pour faire court, je me trouve maintenant dans une cachette. Petite cinématique. Répondez. Répondez. Oui, ça donne quoi, Caroline? On a une piste pour les clés de décryptage du canon nucléaire. Anya? Il s'agit d'un train de transport venant du front africain. À bord, il y a le scientifique en chef du programme de super soldats dernière génération du Boucher. Il doit aller sur la Lune ce soir pour superviser le lancement des nouveaux super soldats. On intercepte le train de transport de troupes. On localise le scientifique en chef. On vole son identité et on l'utilise pour mettre Blazkowicz à sa place dans la navette lunaire. Une fois à la base, il faudra trouver les clés de décryptage et les rapporter sur Terre. Et comment on intercepte un train militaire à grande vitesse? L'idéal serait au pont de Gibraltar. Ouais, d'accord, mais comment? C'est une idée? On peut utiliser ça. C'est extrêmement puissant. Voyons, dans notre langue, on peut appeler ça une... comment dire? Une métasphère, hein? Il suffit de la jeter devant le train, elle suffira largement à l'arrêter. Excellent. Partez tout de suite, le train est déjà en route. Ça fait un peu l'armure. Je sais à quoi tu penses, Blazko. Tu rêves, il est à moi, ce truc. Donne-le plutôt à Caroline. Regardez-moi ça. Il est monstrueux, ce pont. C'est l'autoroute nazie qui mène au front africain. Le putain d'assassin. Le train ne devrait pas tarder à arriver au pont. On est encore au chapitre 11 ou non? Ah non, on est passé au 12. Bah du coup, je vous propose de d'arrêter là et du coup de se donner rendez-vous pour l'épisode de, pour le chapitre 12. Du coup, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à mettre des petits pouces bleus. Puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de Wolfenstein. Puis bonne journée. Allez, salut. Au revoir tout le monde.